Bonsoir, la poétesse Natié Brié vous déclame votre émission littéraire, culturelle, musicale, tous azimuts, tous les deux vendredis dans le mois, de 18h à 20h, sur Clin d'œil Télévision, en direct de www.it Média Télé. Monsieur Lelo. Alors, comme vous le voyez, monsieur Lelo, il est le producteur ou le père? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire je suis déjà le père. Oui. Ça, c'est la première des fonctions. Et après, on s'occupe de la production par rapport à ça. Donc, le management, je l'ai donné à mon frère. Oui. Comme ça reste en famille. Ils ont une assistante qui est la petite sœur aussi. Donc, Ah, on fait travailler d'accord. tout le C'est monde. familial alors. Voilà, on fait travailler tout le monde. Voilà, donc vous voyez, vous êtes venu avec trois grands chanteurs, je dirais. Je dis grands parce que vraiment, c'est des célébrités. Hein. On les a vus. J'ai suivi leur. Comment on appelle ça? Lorsqu'ils sont passés Parcours, à exactement. M6. Voilà. Donc, parlez-nous un peu de vos fils. Comment est-ce qu'ils ont commencé pour arriver jusque-là? Bah, on a commencé au départ, c'était une blague, fête familiale. Ils chantent, ils disent voilà, on fait ça. Et comme moi aussi, j'ai une émission où des fois j'ai fait des spectacles, ils m'ont dit oui, on aimerait bien nous aussi essayer de chanter, essayer de faire des choses comme ça. Bon, moi en tant que père, je me dis mais chanter, mais pour faire quoi, comment? Et finalement, bah, la blague a été réussie puisqu'on a fait leur premier single qui s'appelle Dans la partie. Et après, ainsi de suite, ils ont commencé à faire des scènes, rencontrer des artistes. On a été chercher des gens pour qu'ils puissent réussir leur petit parcours. Et vraiment, leur parcours est devenu vraiment, entre guillemets, professionnel cette année. Donc depuis, Incroyable Talent. Puisqu'avant ça, nous, pour nous, c'était des blagues. Ils s'amusaient, ils se faisaient plaisir. On ne pensait pas qu'un jour, ils Et le pourraient... destin a fait à ce Voilà, qu'ils fait que... puissent Voilà. chanter. Mais je leur ai vu à la mémoire de Taboulé. Oui. Quel lien que vous avez avec Taboulé, Bah, le défunt? c'est lien direct puisque c'est notre arrière-grand-père. Ah Oui, bon? Mais la donc ça vient famille. de la famille, Voilà, tous. oui. C'est du côté de la grand-mère, Dindi. Donc voilà, D'accord. on est en lien direct avec. Ok, mais comment vous gérez tout cela, les études, les enfants, la scolarité? Comment eux ils vivent cela? Bah, on a une chance, c'est que comme moi j'ai commencé depuis un moment, on est baigné Vous aussi, vous justement. chantez? Bah, moi j'ai mon émission qui s'appelait On va faire le show. Oui. Donc là, on recevait des artistes de la culture afro-urbaine. Donc on faisait découvrir des nouveaux talents. Et ben, on essayait de concilier les deux entre la maison et la vie d'artiste. Donc c'est pas ils sont arrivés dans la vie d'artiste comme ça et du jour au lendemain ils vont péter les plombs. Non, depuis 2009, ils naviguent là-dedans et on partage entre les deux. D'accord. Et ils sont en quelle classe, les trois? Ben, là, ils sont tous au collège. Donc Lilian et Lior, ils ont sauté une classe. Oui. Donc, et Kyle, il est en quatrième maintenant. Et les répétitions avec les heures d'études? Ben, ça se passe toujours après les cours. Après les Donc ça a cours. été même pendant Incroyable Talent, c'est là où vraiment ils ont vraiment beaucoup répété. Avant ça, ils avaient une chance, c'est qu'ils sont déjà doués, puisqu'ils naviguent un peu dans la musique. Donc on ne répétait pas très souvent. Mais depuis Incroyable Talent, vraiment, on a commencé à répéter. Et là, c'était tout de suite après les cours. Une fois que les devoirs sont terminés, hop, on part en studio de répétition. Et voilà, D'accord. l'aventure a Bon, commencé. la biographie de Young Boys, c'est un groupe de trois frères. Oui. Depuis tout petit, Kill, c'est Kill. Kill, c'est un prénom ou c'est... Non, kill, il. Ah, mais oh là là, qui a écrit? Bon, Non, c'est K. Attendez. oui, c'est Kyle, c'est K-Y-L-E. Kyle. Donc Kyle, Donc, il y a né une en erreur kill, voilà. d'orthographe, c'est pas moi. C'est Hein. Kyle. Alors, depuis qu'ils sont nés, on dit qu'il est Voilà. né, je sais pas de qui on parle, le 17 Depuis tout juillet petit, 2000. Kyle et Voilà. Lilian et Leroy, donc les trois. Ah, Et ont d'accord. débuté comme Voilà, groupe donc ensemble. le 17. Ah, tout petit. Voilà. Kai, c'est Kai. Parce qu'en fait, là, ils ont mis leur date de naissance à chaque fois. Donc lui, il est né le 17, là, 7, 07. L'autre, c'est le 31 janvier. 2002. Voilà. Et Leloy, le 7 février 2003, Voilà pour sont Lilian. sur le devant de la scène et sous les feux des projecteurs. Ayant débuté comme un groupe de danse, ils se sont fait remarquer très tôt par leur talent et surtout leur aisance sur scène, démontrant des qualités incroyables pour des jeunes de leur âge. C'est tout naturellement qui se sont dirigés vers le chant et c'est ainsi que depuis 2009, les Young Buzz parcourent les plus grandes scènes et enchaînent des émissions TV à la rencontre de leur public. Riches et leur origine multiple, Congo, France, Maroc, leur musique est une fusion de rap, de pop et de musique africaine. Leur univers musical va de la pop au R&B, en passant par les rythmes afro et hip-hop. Dans leurs textes, ils abordent des thèmes tels que l'école, les parents, le métissage, et c'est toujours de manière décalée avec un message positif délivré aux jeunes de leur génération. Les Américains avaient les Jackson 5, la France a les Young. Waouh!
à la conquête du monde. Ça, c'est vraiment bien. Bon, donc, moi, je demanderais, venez, hein. Venez, moi, je vais vous donner la place. Donc, ce sont les artistes. Vous restez le papa. Oui, alors, prenez, voilà. Ils vont prendre place. Vous prenez place. Alors, donc, là, nous sommes avec le Young Buzz. Papa aussi peut s'asseoir. Moi, ça ne dérange pas de me lever. D'accord, mais non, mais moi ça me dérangeait pas, j'ai l'habitude. Hein. Voilà, donc je commencerai par l'Eloy, alias Didi Boys. C'est le plus jeune et le plus charismatique du groupe. Charismatique, c'est charismatique moi. Du groupe. Malgré son jeune âge, rien ne lui fait peur. Et rien ne lui fait peur. Et son visage fait de lui le chouchou de ses demoiselles. Waouh! Spécialiste de la musique afro, il a un déhanché ravageur. Ça, c'est fort, ça. Alors, nous sommes avec Lilian, alias Little Boys. C'est le leader du groupe. Il est où? Ah, il est là. Le leader du groupe véritable, surdoué du rap. Il s'est déjà frotté au plus grand, la Fouine, CFU, la section d'assaut, et a déjà remporté plusieurs battles face à des adultes, merci. Danseur, hors pair et grand fan de Michael Jackson en plus. Oui. Il connaît toutes ses chorégraphies par cœur et en le voyant danser, on croirait voir le jeune Michael à ses débuts. Et là, nous sommes avec Kyle alias... Kyle. Oh là là, mais c'est en anglais, moi j'ai dit en français. Vous m'excusez, hein, parce que moi je ne suis pas trop anglais. Doté d'une oreille musicale impressionnante, c'est le musicien du groupe spécialiste du beatbox. Ce petit génie aime faire réfléchir son public. Avec ses textes engagés, il a déjà composé plusieurs chansons pour le groupe et il est promis à un grand avenir de compositeur. Bon, voilà, donc c'était un peu ça. Présentez-vous. Hein. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, je commence par Liliane. Lilian. C'est Lilian. Oh là 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 là. Sa grand-mère, c'est pas grave. Oui, mais non, c'est que c'est pas trop clair. Hein. C'est un peu flou, voilà. Donc, présentez-vous pour les gens qui vous regardent. Ben, déjà, nous, c'est les Young Boys. Vous regardez votre caméra. Voilà. On a participé à l'émission La France a un incroyable talent. Oui. On est un groupe de 3 jeunes. Et ben, en ce moment, on est en train de préparer notre album en studio avec un DJ qui s'appelle Rise. Oui. Et son père qui s'appelle Doc Nex. Oui. Le 11 mai ou le 10 mai, on a une. Un showcase. Non. Showcase. Comment ça s'appelle? Faut on parler fort à Nice, oui. Pour Miss Cap Vert. Cap Vert. Miss Union Cap Vert. D'accord. Et on laissera la parole à Léori. Leroy. Léo, excuse-moi, Leroy. Ton prénom, je. C'est en anglais. Léori. Voilà. Présente-toi. Pour tout le monde qui te regarde, c'est en direct en plus. Moi, je m'appelle Leroy. J'ai 11 ans. Parle un peu fort, s'il te plaît. Moi, je m'appelle Leroy, j'ai 11 ans, alias Didi Monet. Je suis le plus mignon. Alors, on dira... bon, moi, je dis Kyle, c'est quoi? C'est Kyle. Ok, Kyle. Voilà, il faut me corriger quand je prononce mal. Oui, présente-toi. Moi, c'est Kyle. J'ai le compositeur. Ouais, le compositeur, j'ai 13 ans. Oui. Comme vous l'avez dit, je fais du beatbox. Enfin, je suis le plus grand, l'aîné du groupe. Et je fais du hip-hop et je compose. D'accord. Mais là, je pose la question, la personne qui veut répondre, répond. Ça vous fait pas peur, le public? Je vous ai vu l'incroyable talent. Surtout, toi qui es parti, c'est qui là que tu taquinais, là, le monsieur là, là que tu as chanté sa chanson là? Gilbert. Dev. Dev, te fait pas peur? Hein? D'accord, ben là on va sans plus tarder, hein, on vous laisse la place, vous allez nous démontrer ce que vous faites. C'est a cappella. Ah, a cappella, ok, à vous alors. C'est a cappella, la musique c'est après, allez-y s'il vous plaît. Ok. Didi Monet, jeune pour la haut. C'est pas une bouche que j'ai, c'est un pistolet là haut. Oh, oh, tout le monde est chaud. Young Boys, on est très chaud, on est là pour faire le show. Didi Monet, je suis là. Faites un maximum de bruit, montre-moi que vous êtes là. Ça, c'est pour tous mes gars. You can see me, appelle-moi Gentina.
Mon rap est trop magique, appelle-moi le magicien. Né pour faire de la musique, et chaque jour j'écris mon destin. Mon destin, mon destin, je vais pas te faire un dessin. 50% congolais, 50% marocain. Tout bousillé, tout mitraillé. Young boy, ça va bouger, on est là pour s'enjailler. Laisse-moi kiffer tout la night, moi et mon équipe de barge. On a dit ça dans le night, je vais sauter tous les barrages. Ah, bravo. En tout cas, bravo, bravo, merci, bravo, merci. Bravo. Donc, en 2013, octobre, novembre, décembre, MC C'est Incroyable Talent, 7e de la finale, décembre, Non Stop People. Novembre, le grand 7, on va faire le show spécial Young Boys, 2009 à 2012, co-animateur émission, on va faire le show, 2010, février, Samba Show, 2011, ça, tout ça, c'est le parcours. 2011, figuration dans La Cité Rose, réalisée par Julien Abraham. Court-métrage, mai 2013, course au bulletin scolaire. Écrit et réalisé Jean-Claude Moka. Moka. Big up. Moka. Okay. 2012, Mokobé. 2010, Monsieur Tombola, corde à sauter Young Boys. 2009, dans la partie Schwag du bon côté. Mais je vous ai vu avec les fouines, alors comment ça s'est passé? La fouine. Sur YouTube. Ben, déjà, on devait faire sa première partie à Sens. Et on l'a rencontré dans les loges. Oui. Et on lui a dit que nous, on rappait. Après, il nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire un extrait? Ben, on lui a fait. Ça lui a plu. Après, il a dit, vous voulez faire la première partie? Vous voulez faire Bafana Bafana avec moi sur scène? On a dit, on voulait faire Bafana Bafana avec lui sur scène. Et c'est de là où... C'est de là où est venu qu'on est monté sur scène avec la fouine. Mais quel est votre projet? À vous trois, la personne qui veut répondre n'a qu'à répondre. Hein. Là, notre projet, bah déjà c'est l'école, toujours c'est l'école. Oui. Et ensuite, derrière, on prépare l'album en studio avec Erice, comme il y en a dit tout à l'heure. Et on travaille. D'accord, c'est le premier album, c'est ça? Oui, c'est oui. Ça. Non, mais comment vous faites avec les études et la musique? Ben, on gère. Et vos collègues, vos amis de classe, qu'est-ce qu'ils disent après? Bah, ils sont contents. Dans la cour, ils nous demandent de faire des textes, des freestyles. D'accord. Donc, les conseils que vous pouvez donner à des amis de votre âge? Bah, déjà, continuez l'école. Et que si vous avez un projet dans la vie, faites tout pour réussir. D'accord. Et votre papa, c'est un bon papa? Oui. Ouais, parce que on sait pas, vous êtes jeune, est-ce que vous pouvez dire est-ce que c'est un bon papa ou c'est vraiment? Bien sûr. Ah d'accord, parce qu'il vous suit en plus, lui-même il anime, il est encore animateur, voilà. Donc je sais pas, vous voulez, on va faire passer. Vous avez calé une musique là, donc je vous laisse la place, hein, parce que là, voilà le morceau que vous allez chanter toute. La première musique qu'on a fait. Oui. Dans la première. Dans la partie. D'accord. Bon, la régie, allez, s'il vous plaît, la première chanson. Place au Young. C'est qui? C'est les Young Boys. C'est qui? C'est les Young Boys. Sur la piste de danse. La famille, faut que les bras balancent. Et mes gars. Pour la barre de mise bas. Son. Fais vite monter la pression. Pour les filles et les garçons. Pour toutes les générations, on passera un beau moment. On profitera de l'instant présent. On sera là, simplement. On veut que tu bouges en oubliant toutes les mauvaises. Young Boys ma partie, venez danser avec nous. Tout le monde ma partie, venez et faites comme chez vous. Young Boys ma partie, venez danser avec nous. Tout le monde sur la piste, c'est hey, oh, tout le monde sur la
Monsieur Lelo, parlez-nous aussi de vous, puisque vous faites aussi, vous animez quelle émission? Oui, une émission qui s'appelle On va faire le show. Donc on était diffusé sur BDM TV et sur Télé Sud. Oui. Et là, on doit passer normalement sur Canal 10 oui. très prochainement. D'accord. Donc il va y avoir des nouveaux épisodes, mais pour l'instant, je me consacre vraiment pour driver un maximum la carrière des petits. Quoi. On est en train de travailler vraiment sur leurs projets. Et comme vous avez vu en famille, on ne cherche pas les équipes qui gagnent. Comme d'accord. On dit. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes en direct. Vous pouvez appeler au 01 48 95 03 15 pour poser des questions à des artistes qui sont sur scène. Donc, je ne sais pas le mot à dire, votre mot de fin. Tu as un mot de fin à dire Un mot déjà. Oui, juste si tu veux saluer tes fans ou tout, ouais, tu n'as qu'à. Je salue toutes les personnes qui vont regarder, qui nous ont regardés. Oui. À notre grand-mère Liliane. Et à tous les YBZ fans qui nous regardent. D'accord. Ok, le message est passé. Oui. Et moi, j'aimerais juste passer une dédicace aux enfants du Congo et toute l'Afrique oui. qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas ce qu'on a en France. Gentil, oui. J'aimerais leur passer un message et qu'on les aime et que l'on a dans le fond et que l'on a, et que on les a dans notre cœur. D'accord. Et les enfants d'Haïti aussi. Il y a aussi les enfants d'Haïti. On pense fort à eux aussi. D'accord. C'est et en plus, en fait, en ce moment, avec le collège. Victor Hugo, on est en train de faire une lutte contre l'action contre la faim oui. et on a besoin de parrains pour récolter des fonds. Alors si y a des gens qui sont intéressés par ça, qui viennent sur Facebook, qui tapent Young Boys et qui envoient un message. Voilà, le message est passé. Et aussi une spéciale dans un fantastique. Lil Chris. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Games. D'accord. Donc oui, Monsieur Lelo, vous avez un mot de fin. Moi, le mot de fin, c'est déjà, on va passer un petit bonjour à tous les Congolais, parce qu'en ce moment, ils vivent quand même un petit moment dur. Et oui. puis, un bonjour aussi à toute la famille qui est là-bas, qui est restée au pays, puisqu'on n'a pas pu se voir lorsqu'il y a eu l'enterrement. Nous, on était là, on préparait un incroyable talent. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a fait les 40 jours pour le grand-père sur Paris. Mmh. Et on est avec vous, courage. Et puis, de toute façon, comme on dit, la nouvelle génération est là, donc on va essayer de faire perdurer le message du grand-père Rocher Otaboulaye un maximum, donc avec des Peggy, des Youssoufa et surtout les Young Boys. On va essayer de continuer là-dessus. Donc, bonjour à tout le monde et courage. Et on va bientôt venir courage. Aussi pour vous voir là-bas. Donc, d'accord. La solution, ils ont mis Bakoto. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On est d'accord, ensemble. Merci. Alors, il reste à vous, votre dernier mot de fin. Moi, je remercie. Vous regardez votre caméra, hein? Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont soutenu les Young Boys, que ce soit avant Incroyable Talent, qui sont là pour eux et qui sont jusqu'à aujourd'hui là pour eux. Bah, ils arrivent bientôt et encore un gros bisou à toute l'Afrique. Et voilà. D'accord. Mais faut pas oublier le 10, alors pour ils seront à Nice oui. pour l'élection du Miss Cap Vert, c'est ça? Cabo Verde, il faut bien le préciser. Voilà. Donc, venez, ceux qui n'ont pas pris, qui seront du côté de Nice ou dans la région, prenez vos billets. Et surtout que cette émission va circuler sur le net, d'ici Facebook, partout, ils vont écouter le message, ça va passer. Donc, il faut qu'ils viennent. Et puis, je pense que d'ici le mois de mai aussi, courant mai, on va organiser deux showcases exceptionnels d'accord. pour présenter les nouveaux morceaux. Voilà. Mais si vous avez des choses ou des CD en cours, vous pouvez revenir. Hein. Mais on reviendra. Hein, vous reviendrez comme vous voulez. Comme vous voulez. Et puis, merci voilà. Et vraiment, je vous félicite. Hein. Merci. Vous êtes l'avenir de demain. Donc, surtout, ne baissez pas la main. Allez-y, allez-y. Aux États-Unis, comme vous avez dit, c'était les Jackson. Et là, nous avons les Young. Voilà. C'est la fierté. Pour l'Europe, on est fiers. Vraiment. Vous avez un mot à dire encore? Oui. Kinshasa, Téléma, Paris et Banginga. Dans l'Hexagone, on est les boss et ça, y a pas de départ. Le rap, un jeu d'enfant. Donc, moi, je me tape des barres. Le boycott, y en a assez. J'en ai marre. Merci, applaudissez. Merci, bon, merci, à très bientôt. Hein, et merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Mais c'est gentil. Au revoir. Voilà, j'aurai l'occasion. Ce bout de Paris porte la région Place des Antilles. Nous devons l'honorer et lui donner une âme parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'existe qu'à travers le 21 juin, fête de la musique. Nous.
En termes de perspectives pour l'année 2014, le ministère de la Santé publique et de la population envisage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les infos dominantes d'Haïti pour cette semaine. Le forum de Davos. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées dimanche, 12 janvier 2014, sur la place du Champ de Mars, là. Multimédia Télé diffuse désormais de 7h du matin jusqu'à minuit. Merci de nous suivre, n'hésitez pas à nous appeler. Et 80% des vraies émissions diverses et une grille de programmes que vous pouvez consulter. Surtout, continuez à nous écrire au 42 rue des 7 Arpents, 93 500 Pantin, métro Hoche. Vous venez nous rejoindre à un numéro fixe. Ne l'oubliez pas, c'est le 01 48 95 03 15. 01 48 95 03 15.